Alors, la première phase du marketing, c'est la phase analytique. C'est une phase qu'on n'apprécie pas beaucoup. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'énergie. Mais vous savez quoi? C'est indispensable parce que commencer à poser une stratégie sans comprendre le marché et sans démontrer aux gens qu'on comprend parfaitement ce qui se passe dans notre industrie, c'est utopique. Alors, la phase analytique, il y a deux choses à savoir qui sont très importantes. Il y a la théorie qui dit qu'on fait d'abord une étude qualitative pour ensuite partir sur une étude quantitative. Mais depuis l'arrivée d'Internet, la recherche d'informations est beaucoup plus simple et coûte beaucoup moins cher. C'est-à-dire que 90% des sociétés vont s'arrêter à une étude quantitative, c'est-à-dire s'arrêter à toutes les informations qu'ils vont trouver sur Internet. Et dans la plus grande partie des cas, cela suffit pour prendre une décision stratégique.